comme tous les jours depuis un temps, Dominique Jambert, cadre en communication dans une entreprise de marketing, se rend à son travail en empruntant la rue de l'Hôtel de Ville de manière à jeter son journal. Il monte dans le bus 48, montre sa carte de transport à l'agent de service, puis s'assoit dans un coin reculé du véhicule. 8h24, il descend la station Mirabeau, marche quelques mètres et pénètre dans son lieu de travail. Quand il franchit le seuil de l'établissement dont la fonction est de contribuer au développement de produits, de services et de personnel de vente auprès d'une clientèle donnée, Sabrina, la secrétaire de direction postée à l'accueil, dit « Salut Jambert, c'est ta cravate que tu t'es enroulé un harangue dans ton cou, Jambert. Il est con, Jambert !» Quand il arrive près de la porte de l'ascenseur, René, l'agent de sécurité de l'entreprise, dit « Salut Jambert !» Ça va, Jambert ? Jean pour Jambert ! Oh, il est con, Jambert ! Et quand elle est sur le point d'entrer dans son bureau, Jean-Christian Chapuis, dit JC, directeur de marketing, s'adresse à lui par ses mauvais voir Jambert. À partir de demain, vous resterez jusqu'à 20h30. Évidemment, vous ne serez pas payé pour les heures supplémentaires, vous avez de la chance d'avoir un travail, soyez content, Jambert. Non, il faut capitaliser. Différencier les structures de marché, restructurer les activités afin de mieux prendre en compte la problématique du client. Bref, nous comptons sur vous, Jambert, perforer au sein de cette nouvelle entreprise. D'ailleurs, à propos de votre augmentation, Jambert, vous pouvez jouer la foutre au cul, mon vieux. Il est con, Jambert, bref. Tout le monde se moque du pauvre Jambert. 19h12. Dominique Jambert retourne chez lui en empruntant le bus 48. Il monte un à un les escaliers, s'assoit dans son fauteuil, regarde la télévision. 20h15, il dîne d'un poulet basquez. Il est vrai que le poulet basquez est le plat préféré de Jambert. C'est pourquoi il en mange tous les jours maintenant depuis 20 ans. 21h30, Dominique Jambert se couche, il enlève ses lunettes, enfile son bonnet de nuit, et là, dans un élan irrépressible, comme poussé par une force irrationnelle, il se tourne vers sa femme et lui dit ma chérie. Je l'avais compris. Le jour, Dominique Jambert est Dominique Jambert. Mais ce soir, il en a assez. Ce soir, il Chacha que diable, monsieur.